Dans cette quatrième vidéo, on va répondre à la question « Comment a-t-on compris les mouvements des plaques ?» qui est donc débuté le grand 2, la dynamique de la lithosphère, avec ce qui correspond au chapitre 9 de votre livre, page 180. C'est le déplacement horizontal des plaques que l'on va démontrer. Alors, on peut visualiser ce déplacement des plaques en regardant ces rails de chemin de fer qui ont été soumises à des déformations suite à un séisme. Toujours des chiffres, des séismes qui ont lieu relativement récemment en Turquie avec des magnitudes énormes qui font beaucoup de victimes, beaucoup de blessés et beaucoup de frais. La vidéo d'accroche, je vais vous inviter à aller la voir comme d'habitude. Elle est sur Lumni cette fois. Et il s'agit d'un fragment de C'est pas sorcier. Et donc, dans un premier temps, grand A, mise en évidence de cette mobilité horizontale. Alors, on la visualise ici. Par cette carte des différentes plaques au niveau du globe. On considère que la lithosphère est découpée environ en 13 plaques. Alors environ parce que il y a de toutes petites plaques que l'on a distinguées récemment et ce qui donne des comptes un petit peu différents. Et comment on visualise et on a découvert qu'il y avait 13 plaques, eh bien parce qu'aux frontières de celles-ci, on trouve beaucoup de séismes. Alors, on voit les séismes ici représentés par des points verts, mais par contre ici, au niveau de ce qu'on appelle la ceinture de feu, on voit à la fois des ronds verts, mais aussi des carrés bleus et des carrés jaunes, qui indique des séismes de foyers plus profonds. Donc, on a deux types primordiaux de séismes. Les séismes à foyer profond qui correspondent à des zones de subduction, c'est-à-dire de glissement d'une plaque sous une autre. Par exemple, au niveau de la ceinture de feu, comme je le disais à l'instant, ou encore de la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Et d'autre part, on a des séismes à foyer superficiel, soit dans les zones de dorsale, comme ici au milieu de l'Atlantique, ou au niveau du Pacifique, et aussi dans les chaînes de montagne, par exemple dans l'Himalaya, mais aussi au niveau des Alpes. Alors, aux frontières de plaques, on a identifié des indices de déplacement, comme ici en Islande, où l'on a un bloc rocheux sur la gauche, un creux au milieu où se déplacent les personnes ici que nous voyons dans le fond, et un autre bloc sur la droite, qui sont en fait les deux parties latérales d'une zone d'extension avec la partie centrale qui est le bloc effondré suite à une extension. Donc c'est ici sur cette grande faille qui correspond à la dorsale qui est émergée en Islande. Donc ces séismes peuvent signer, comme on le voit ici, des mouvements divergents qui se traduisent par des failles normales, mais aussi, ah, ici on a la façon de prouver les mouvements divergents, vous le ferez en TP. Donc on voit qu'il y a des failles normales ici et là principalement, mais d'autres également secondaires, comme ici ou là. Et au centre, on a une partie qui s'effondre, qui glisse entre les autres couches. Donc ça modélise ce jeu des failles normales.
Et d'autre part, on peut avoir des mouvements convergents dans les zones de fosse qui présentent une fosse océanique, c'est-à-dire les zones de subduction. Et cette fois, ce sont des failles inverses qui caractérisent cette zone, qui signent ce mouvement convergent. Ce qui amène à la notion 33, la lithosphère terrestre est découpée en plaques animées de mouvements. Comment peut-on prouver ces mouvements? C'est ce qu'on va voir dans un premier temps grâce à l'âge des roches par rapport à la dorsale, mais on va voir toute une série de méthodes géologiques. Alors, on est ici sur la droite au niveau de la dorsale. On sait que plus on s'écarte, plus la lithosphère s'enfonce et que des sédiments recouvrent les basaltes en coussin qui se sont formés au niveau de la dorsale. Et donc, ce que l'on va mesurer ici, déterminer plutôt, c'est l'âge des derniers sédiments qui sont tout contre les basaltes, ce qui correspondra donc à l'âge des basaltes. Alors, si on mesure ici près de la dorsale, on va avoir des sédiments au fond, au contact des basaltes qui ont 5 millions d'années, puis 50 millions d'années, puis 110 millions d'années. On sait que plus on s'éloigne, plus la dorsale est âgée, mais là on a des dates précises. Donc de part et d'autre de la dorsale, les sédiments reposant sur le basalte, ce sont par exemple ce type de sédiments que vous allez observer en TP, qui contiennent des microfossiles. Donc ici on est en présence d'une lame mince observée au microscope, et ces microfossiles, comme celui-ci arrondi, ou celui-là, ou encore celui-ci, permettent pour certains d'entre eux de dater la roche, et c'est comme ça que l'on obtient des âges. Donc, sont de plus en plus âgés, ce qui prouve l'extension océanique, c'est-à-dire l'écartement des plaques. Donc voilà un premier type d'argument. Si on utilise Google Earth, on a différents sites de référence. Vous avez la dorsale qui se trouve ici. Et chacun des sites référencés est un site qui a été carotté par un navire foreur et qui a permis de dater la roche en question. Donc vous avez 40 millions d'années, 49 millions d'années, 67 millions d'années, 76, etc. Et puis de l'autre côté, on repart plus jeune et de plus en plus âgé. Vous allez colorer ce type de carte pour obtenir ceci, qui nous montre que plus on s'éloigne de la dorsale, donc la dorsale, c'est la. Enfin, les sédiments les plus jeunes de part et d'autre de la dorsale sont représentés en blanc, hein, ceux qui ont moins de 5 millions d'années, puis les jaunes, etc. Et donc plus on s'écarte de la dorsale, plus les sédiments sont anciens. Deuxième type de preuve, l'étude des anomalies magnétiques. Vous regarderez cette animation, je crois que je peux peut-être la mettre, oui, qui se déroule ici. Au fur et à mesure que le basalte est émis, l'aimantation peut être normale ou peut être inverse. Vous voyez que le champ magnétique s'inverse régulièrement. Et donc, plus les basaltes s'écartent, plus ils sont vieux, vous venez de le voir. Et ils enregistrent ces périodes d'aimantation, d'anomalies positives ou négatives de l'aimantation. N'hésitez pas à revisualiser cette animation. Tout se passe comme s'il y avait un gros aimant au centre de la Terre, notamment parce qu'on a du fer au niveau du noyau interne.
et que cet aimant s'inversait périodiquement au niveau entre pôle nord et pôle sud. Vous avez donc des bandes d'anomalies positives, négatives qui ne sont pas de même taille. Hein. La durée d'une phase n'est pas donnée. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'alternance de périodes d'anomalies magnétiques positives et négatives que l'on trouve ici. Donc là, on est au niveau de la valeur actuelle. Si le graphique est au-dessus, c'est une anomalie positive. Si on est en dessous, c'est une anomalie négative. Vous aurez ce type de graphique, enfin de représentation à réaliser aussi à partir de ce type de graphique. Montre donc une symétrie. Hein, vous voyez qu'ici, par rapport à l'axe de la dorsale, ben, j'ai les mêmes périodes positives, puis les mêmes périodes négatives, puis à nouveau positives, etc. Donc cette symétrie confirme l'extension de l'océan. Ensuite, nous avons la preuve des alignements volcaniques liés au point chaud. Un alignement de volcans à l'intérieur même d'une plaque, comme Hawaï, qui est représentée ici, montre le déplacement de la plaque au-dessus d'un point fixe du manteau anormalement chaud, qu'on appelle donc un point chaud. Non. Et donc, vous allez en TP mesurer la vitesse de déplacement des plaques grâce à la comparaison entre le volcan actif et un volcan plus ancien. On a l'âge et la distance, mais il suffit de calculer la vitesse. On arrive ensuite, voilà, aux mesures que l'on appelle géodésique, c'est-à-dire par GPS. Bon, le GPS, vous connaissez bien. Des mesures par satellite. Il faut 3 satellites pour donner la position d'un point, puisque chacun va donner un faisceau et c'est la rencontre de ces 3 faisceaux qui va nous servir. Alors, on peut mettre des balises GPS au niveau d'un volcan, par exemple, parce qu'il y a des séismes et on va pouvoir mesurer le déplacement à ce niveau, savoir s'il va entrer en éruption par exemple. Et donc on peut dire que les techniques de positionnement par satellite ou des techniques laser permettent de déterminer. Ici vous voyez qu'en jaune ont été représentés des vecteurs qui sont fabriqués à partir de ce type de document que vous allez travailler aussi. Et donc permet de déterminer 3 choses précises, la direction du déplacement, le sens du déplacement et enfin la vitesse du déplacement. On a, grâce à ces données, une grande précision. Ce qui nous amène à la notion 34, le mouvement des plaques dans le passé et actuellement peut être quantifié par différentes méthodes géologiques, études des anomalies magnétiques, mesures géodésiques à l'instant, détermination de l'âge des roches par rapport à la dorsale, et alignement volcanique lié au point chaud. Ce sont nos 4 points. Vous pouvez compléter cette conclusion par la copie de ce schéma qui nous montre bien les différentes données qui nous permettent de déterminer l'expansion océanique. S'ajoute à ça, oui, non. Pardon, on a parlé paléomagnétisme, je veux aller vite parce qu'on est à la fin. On a parlé paléomagnétisme, c'est-à-dire le magnétisme ancien, et l'âge des basaltes permettent de caractériser les zones divergentes. À l'inverse, les points chauds et le GPS permettent de caractériser n'importe quelle plaque et n'importe quel déplacement de plaque. Enfin, il y a des marqueurs thermiques. Je vous laisse copier parce que le temps imparti se termine jusqu'à la notion 30.